Santé, 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 santé. Venez encore dire que Nikki Menga, elle est bipolaire, elle n'a pas ses sens, elle est une maman, elle n'est pas intelligente. Cette maman, elle m'a fait la joie au cœur, elle m'a fait froid au cœur. Elle m'a poussé à encourager toutes ces femmes qui sont en train de lever toutes seules leurs enfants, même si ces enfants-là ont leur papa, même si ces enfants-là, leur papa continue à soutenir de loin, il envoie l'argent. Mais le fait de rester ensemble avec les enfants, ce n'est pas facile. La maladie du soir, le dévoi, la période de puberté. Cette dame, Nikki Menga, bravo et félicitations à toi. Deuxième diplôme dans sa famille pendant ces temps-là. Fali Ipupa est en train de soutenir son fils au stade. Parce que la fois passée, j'avais dit, il y a une émission sur cette chaîne, la NG officielle, où on voit Fali Ipupa en train de célébrer également la sortie d'un single de son fils. Finalement, les gens se sont posés plusieurs questions. Et finalement, Marco 6, il est tantôt dans les sports, il est tantôt dans la musique, il est tantôt dans le business. Il est où? Et pendant ce temps-là, il n'a rien posté pour sa fille Kéliane. Et sa maman a posté plusieurs fois hier, jusqu'à poster une pensée là, avec la chanson de Ferrego là, qui est l'adversaire de son ex-mari. Alors, dans cette vidéo, il s'agira seulement de lire les témoignages, la joie de Nikki Menga. Oui, on va lire, on va seulement lire. Venez encore insulter cette dame qu'elle est bipolaire. Venez encore insulter cette dame. La bipolaire a réussi l'éducation de ses deux filles. On ne parle pas des garçons. On parle de deux jeunes filles. Des deux jolies filles. On revient après l'intro. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité. Alors, nous sommes rentrés, nous sommes là, nous allons lire tout ce que Nikki Menga a écrit pour célébrer en tout cas la victoire de sa fille. Sur son statut Instagram, Nikki Menga a beaucoup écrit. Elle a en tout cas beaucoup écrit pour célébrer la victoire. Nous avons pris soin en tout cas de tout lire. N'ayez rien négligé parce que là, c'est un témoignage. Venez encore insulter cette dame. Vous qui prenez vos caméras pour insulter la dame. Venez encore l'insulter. Vous qui allez l'insulter, elle a ses deux filles qu'elle a reçu l'éducation. Ses enfants n'ont pas été engrossés. Elle les a élevées toutes seules. Et je vous rappelle que Nikki Menga a moins de 40 ans. Elle a moins de 40 ans. Elle a deux bachelors. Elle a quand même le droit de reprendre sa vie. On va lire. Oh, je vous ai fait attendre longtemps, longtemps, longtemps. Oh Yahweh, je te rends grâce à ton nom, malgré les humiliations que mes enfants subissent chaque jour dans les réseaux sociaux. Tu ne cesses de nous consoler. Félicitations Kélia Ipupa, ton bac en poche. Le monde parlera un jour de vous avec de regrets, car vous avez été humiliés sans raison. Félicitations! Yeah! Nikki Menga ne s'était pas arrêtée là. Elle a vraiment ouvert son cœur. Elle a célébré la victoire d'une maman comblée. Exactement. Elle est une maman comblée. Au milieu de l'humiliation là. Hey! Au milieu de l'humiliation. Faire sortir des bachelors. Non, non, non. Il y a de quoi dire félicitations. Vous le méritez, maman Nikki. Et vous avez nos bisous. Bravo. Bravo. Vous êtes une guerrière. Alors, je veux continuer à lire. Il y a tellement beaucoup de messages. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes filles, ma diplôme, mes os sopana, maman Koulutu est fière, fière, fière. Tout ça, c'était toujours sur son statut. Sûrement, elle avait pris le statut d'une autre personne. Elle a posté sur son statut.
On va lire l'as de vainqueur, ma bachelère. Là, c'est la photo de Kéliane. Kélia. Hey, les noms. Keina, Kélia. On dirait dans la famille de Nicki Minaj, mais les kaka. Maman, et voici les problèmes sur cette vidéo ici. Sur cette photo, malheureusement, je ne peux pas mettre la chanson. Pour ceux-là qui connaissent la chanson des Bizorbi. Des Bizorbi. De Ferrego, là. Elle a écrit, hein. La recherche de l'approbation des hommes est une servitude dont Jésus m'a libérée. C'est ici qu'on va rester un peu. So pro de la fille de mon père. Yes. La vidéo ici, elle était postée sur le statut de Nicki Minaj. Mais sûrement, c'est l'un des membres de la famille de Nicki Minaj qui avait posté ça. Et puis Nicki Minaj a repris ensuite sur son statut. Parce que moi, j'ai pris ça sur le statut de Nicki Minaj. Quand vous êtes en train de voir. La recherche de l'approbation des hommes est une servitude dont Jésus m'a libéré. So proud of la fille de mon père. Plusieurs attendaient l'échec de ses filles. Plusieurs attendaient que Nicki pleure, que ses enfants ne réussissent pas. Mais vous savez quoi? Dieu vous a confondu. Ceux-là qui prenaient leur caméra pour venir faire le live sur le nom de Nicki, venez faire le live encore aujourd'hui. Elles sont bachelères en France. Diplômées en France. C'est que plusieurs Congolais qui habitent France n'arrivent pas à faire pour leurs enfants. Il y a plusieurs destinées, bien qu'ils soient en France. Les enfants s'enjaillent dans les coulounas. La fois passée, j'avais apporté une émission toujours ici, chez la NG officielle, où on avait tué un garçon par couteau à Londres, où on avait dit que la plupart de nos enfants africains, ça, quand ils vont à l'étranger, ils vont seulement ils vont s'assembler toujours au groupement de gens, ce qu'on appelle le Kuluna, le phénomène Kuluna au Congo. C'est dans les rares des cas de voir les enfants africains, ceux-là qui viennent d'Afrique, ceux-là qui ne viennent pas pour aller étudier, les immigrants, ceux-là qui sont immigrés avec leurs parents, de bien évoluer. Souvent, ceux qui évoluent sont ceux-là qui obtiennent leur diplôme en Afrique et puis vont étudier là-bas. Ils vont pour cause d'études. Mais ceux-là qui immigrent là-bas, c'est le désastre. C'est le désastre. Nicki Minaj a une mère de moins de 40 ans. Elle a élevé toute seule ses enfants. L'histoire de Nicki Minaj devrait servir de leçon à plusieurs personnes que vous ne devez pas arrêter de vous battre. Pour vous d'abord, pour de bonnes causes. Pour de bonnes causes, plusieurs attendaient l'échec de cette dame. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'elle a vécu, plusieurs attendaient l'échec de cette dame. Vous savez quoi aujourd'hui? Le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur l'a élevé et on ne peut pas nous taire. Et le comble, c'est qu'aucune place où nous avons vu son père, les pères, les papas, son ex-mari, Fally Ipupa, a posté sa fille pour dire « Félicitations ma fille ». Aucune place. Ce qui n'est pas grave d'ailleurs. Alors les mamans célibataires là, prenez-vous en charge. L'histoire de Nicki devait nous servir de leçon, de bonnes leçons, que vous pouvez vous battre pour la réussite de vos enfants, même sans papa. Que papa vive avec vous ou non, le maman, vous avez plusieurs rôles à jouer dans la vie de vos enfants. Une maman peut se transformer en papa, 10x000, Lolo Beauté, la petite soeur de Général Makosso. Une maman peut jouer plusieurs rôles à la fois. Oui, on a vu des femmes qui ont perdu leur mari, qui les a laissés avec 5 enfants. Vous allez voir les témoignages d'aujourd'hui. Mais c'est dans les rares des cas de voir un papa élever tout seul ses enfants. Souvent, il épouse toujours la femme pour prendre soin de ses enfants-là. Donc, la maman peut prendre des rôles à la fois.
La maman est à la fois papa et maman en elle-même. Alors bravo Nikki Menga. Peu importe ce que les gens diront sur toi, moi je garde une image d'une maman forte. Une minute de silence pour célébrer cette dame forte. Et nous souhaitons plein de bonheur pour Kélia également. Kéna déjà, elle sera avocat. Kélia, on ne sait pas si elle sera. Mais bravo à la maman! Vous avez prouvé au monde que c'est encore possible. Même au milieu de stress, vous ne pouvez pas mélanger les études ou le stress aux études. La seule chose pour faire taire les ennemis, c'est de donner la réussite, c'est de prouver de quoi vous êtes capable. Bravo et félicitations. Je sais que cette émission te parviendra comme l'autre émission là t'avait parvenu. Également celle-là va te parvenir. Merci beaucoup pour cette leçon que tu viens de donner à tes ennemis, à tes détracteurs. C'est là qui ont voulu ta perte. Bati Karina Soni. Et bravo. Bravo, bravo. Courage à toutes les mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants. Courage à vous. Vous êtes les vaillants héros. Et vous êtes des mamans comblées. Quand on va fêter la fête de père, on fêtera avec vous. Quand on fêtera la fête de mère, on fêtera avec vous. Car vous jouez un grand rôle et vous jouez les deux rôles à la fois. Je pense que le message est passé. Coucou à tous les Néla Chou, les Néla Cœur, les Néla Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne là. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche, notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout... partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bravo à Maman Nikki. Surtout, félicitations à Kélia. Vous avez prouvé avec Dieu. Nous ferons des exploits. Et l'Éternel écrasera nos ennemis. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Néla NG officiel. Néla NG. Écoute, like et abonne-toi à Néla NG officiel sur YouTube. Néla NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Néla NG te dit toutes les vérités.